Figaro, bonjour. Bonjour Sylvie. Merci d'être avec nous. Euh, vous tenez donc le rôle central de l'opéra, le Barbier de Séville, euh, basse euh, chantante ou bariton brillant, toi, avec ce bariton brillant plutôt. Ouais. Euh, donc avec ce personnage, Rossini fait presque un autoportrait. Figaro est un homme euh, exubérant, de plaisir. En même temps, il faut jouer la comédie et, euh, et chanter un rôle qui est extrêmement difficile. Exact. Comment est-ce qu'on se prépare pour un tel rôle? Bon, je pense que euh, c'est une préparation des années et, euh, et j'ai les plaisirs, je l'ai déjà interprété plusieurs fois, mais les plaisirs de chaque fois que je reviens vers ce personnage, toujours découvrir quelque chose de nouveau. C'est un rôle extrêmement difficile et endurant, parce que surtout dans cette mise en scène, Figaro, il est... Pratiquement tout le temps sur scène, mais en même temps, et, euh, apprendre à, à, à utiliser c'est un jeu, justement, pour euh, donner euh, de, de l'énergie à ces personnages. C'est quelque chose que j'avais pas expérimenté avant et qui aujourd'hui justement euh, m'aide même à gérer mon trac ou, ou quoi que ce soit. Vous parliez de la mise en scène de Jean-François Sivadier. Est-ce que vous avez dû apprendre à faire quelque chose pour cette mise en scène précisément? La chose, je pense, que j'ai dû réapprendre, c'est à, à devenir un enfant. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire que, justement, et moi, j'ai découvert Jean-François il y a quelques années déjà, dans une autre mise en scène de Madame Butterfly, et, euh, et c'est vrai qu'on on, s'est reconnu tout de suite. En fait, euh, il a une façon de travailler, justement de, de guider euh, aux comédiens, justement à, à s'étonner tout le temps et être à l'écoute de, de, des autres, à observer beaucoup les autres et réagir par rapport à ça. Et ça, c'est quelque chose qui, hein, qui, qui qui tu peux trouver euh, dans les enfants. Les enfants, ils sont tout le temps en train de s'étonner de quelque chose, ils sont tout le temps en train de, de découvrir un, un monde extraordinaire devant eux tout le temps. Et c'est ça qui rend, je pense, la scène vivante et, 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 et qu'on peut attraper justement les publics pour vivre avec nous cette expérience. Figaro est le héros donc, euh, très attendu de, de cet opéra. Il fait une entrée incroyable au début euh, avec un air extrêmement cool. Connu, attendu par tous qu'est ce qui prime euh, chez vous <laughs> voilà mais justement est ce que c'est le, la... qu'est ce qui prime par rapport à l'intérieur de vous est ce que c'est la joie d'avoir un air incroyable pour soi pour la voix de baryton ou est ce que c'est le l'angoisse de passer après euh, déjà des dizaines de barytons qui ont chanté ça avant vous. Moi, ce que j'essaye euh, justement, même depuis l'ouverture, qui en est déjà sur scène, et euh, c'est justement euh, utiliser cet enjeu, cette difficulté. Et me l'a approprié. Et utiliser cette difficulté pour justement s'étonner à chaque fois que ces Figaro que je vais interpréter, et il découvre même ces, ces des, des choses qu'il ne se croyait même pas capable de faire. Et je pense que justement la difficulté de cette grande air qu'il y a au début, je pense que moi, ce que j'essaye en tout cas, c'est justement de, de m'amuser, de me surprendre, Dis-donc, ça c'est bien, c'est cool, c'est génial. C'est ça que je veux passer au public, c'est pas l'angoisse. Je pense que l'angoisse, bon, on a toujours un trac, on est toujours euh, euh, avec euh, des a priori, on va dire, un, un, dans l'intérieur. Mais dans l'extérieur, honnêtement... Euh, et euh, moi je trouve un plaisir énorme et j'essaie de faire ma version et d’offrir ce que j’ai à offrir et je pense que c’est ça mon, mon but. Solidaire peut-être avec euh, entre, entre jeunes, entre jeunes chanteurs euh, depuis, depuis le début. Ça passe mieux quand on est, quand on n’est pas seul. C’est une question simplement de, de confiance et hum, je pense que cette confiance il n’a pas notre secret que le temps. Les temps ensemble et les temps de répète. Le plus important de ça, c'est découvrir. Je pense que le public va découvrir ça, que tout le monde sur scène, même les chœurs, même l'orchestre, même le chef, parce que le chef c'est un cas particulier aussi, parce que des fois je me dis c'est dommage que le public le voit pas diriger, parce que et nous on le voit, il nous procure une énergie incroyable et, et tu vas, tu, tu verras que que c'est un groupe de gens énorme. Qui sont devenus tous des enfants et qui sont tous en train de s'éclater avec cette musique de Rossini, sont tous en train de s'éclater avec cette histoire. Et, euh, et moi, je trouve ça magique. Vous allez vous amuser donc ce soir, j'espère, je pense, et je pense que le public aussi. Merci, merci à vous.